C'est pas sorcier, je te le dis net. Tout ce que je projette dans ta petite tête de mec avachi dans ton canapé, c'est pas le plombier. Ravale tes préjugés, profite, je te le fais gratis. Je vais te déboucher ton cerveau calcérisé et te présenter. Super plombier. Je te demande juste une minute de ton temps. Alors fais un effort, sois grand, ouvrant-toi les vannes d'humanité et accorde un peu de crédit à la parole. Un mec du bâtiment. Tu te moques de marée quand je suis agenouillé, mais ne nie pas que ça envoie un mec qui a la maîtrise de son métier. Sur le bout des doigts. Alors mets-toi à mon niveau et viens découvrir avec moi le cœur de cet artisanat. Tu me dis que je te vide tes poches en occultant que je te rends accessible l'eau et l'air chaud à toi et tes mioches. Mais t'es siphonné. Et je te ferai d'ailleurs noter que tes gosses sont bien heureux de trouver Mario Bros alias Super Plombier pour s'amuser quand t'as pas le temps de t'en occuper. Tu parles de sale boulot, de déboucheur de chiottes et de lavabo. Juste mec, t'as pas l'impression d'avoir une sale vision à la guerre de mes installations. Certes, j'expose pas dans les musées, mais j'offre pour une pioche de tes idées, alors médite un peu et pense au-dessus au trip d'artiste qu'il y a sous tes pieds. J'évoquerai même pas les stéréotypes à caractère sexuel. Je suis juste un type qui essaie de te causer de la valeur de son travail manuel. Je pourrais pas purger l'ensemble du circuit de la société, juste causer à toi mon potentiel allié, ma légitimité à envisager cette activité comme un réel métier.